la meilleure poutine? Patate Marlène. C'est la patate Marlène. C'est quoi le secret? La c'est patate. Noël. La patate. Ils incitent à venir à boire. Vraiment un spot magnifique. Le support de l'eau, la vue est impressionnante. Viendrez tous en grand nombre. C'est un succès. Oui, c'est un succès. Quelle poutine vous avez commandée? La traditionnelle. Nos porcs effilochés. La traditionnelle. Ouais, mais c'est surtout la poutine dessert. Faut tout le monde essayer ça, sérieux, là, c'est succulent, pour vrai, ouais. C'est quoi la poutine dessert? Ben, t'as des... À place des pommes de terre, c'est des pommes coupées en julienne. Et on met un petit peu de fromage à grains. Et en plus, on prend une sauce caramel de fleur de sel. C'est vraiment bon dans la bouche. Vous êtes situé où au Québec? Nous, on est à Mirabel Saint-Janvier, mais on se promène à l'entour du Québec. Et notre but, c'est vraiment de conquérir tout le Québec pour avoir la meilleure poutine au monde. C'était comme le plus beau spectacle que j'ai fait de ma vie. On dirait qu'encore là, comme je réalise pas que j'ai fait une demi-heure de show en première partie de trois artistes que j'aime vraiment. C'était juste fou comme expérience. Est-ce que tu crois que ça va te donner un bon coup de pouce pour continuer, débuter ta carrière, continuer ta carrière? Bien, j'espère que oui. T'sais, c'est sûr qu'il y a plein de gens que je connais pas et qui vont me voir aujourd'hui. Fait que j'espère que ça va me donner un coup de pouce. Mais tu sais, même si ça m'aide pas vraiment, comme c'est juste la visibilité que j'ai en étant sur scène, c'est juste ça, c'est vraiment malade, là. Donc, tu as interprété des chansons à toi? Ouais, ben j'ai fait 6 concours, puis j'ai fait 2 covers, deux artistes que j'aime vraiment beaucoup, mais j'ai fait ça plus de mes compositions parce que je suis auteur-compositeur de prime abord, donc j'ai fait plus de concours, ouais. Je te suis n'importe où. J'irai crier dans la foule. Tu peux faire mille détours, mais je t'aime pareil d'amour. Je dis peut-être que c'est mal, mais t'es belle Montréal. Le temps fait des ciels et que la vie Alice, viens-t'en, on va escalader des bonsaïs qui sont plus grands quand t'es là. Alice, viens-t'en, on va emprisonner des tornades, les figer en accueil, juste pour une heure, le temps qu'on s'accorde de toutes nos mentries. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Va donc l'aider quand t'as ta belle picale d'amande du bon main. Ou toi dans ta tête que ça se peut. Charmant. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. C'est le de Montville. Ok. Je vais vous entendre taper des mains de Montville. Go! Shot the magnum, gon' fill my pocket, watch a rabbit do or buzz a bastard. Mais fuck all that, just grab
Richard Pétatif. C'est moi le golden boy, golden comme un trophée de la disque. Quand Corey Hart est rough, il doit pump le vol de Matisse. T'entends les drums, un drum, un talent, tu t'écoles à chaque kick. Struggle, struggle, rapper, je veux marquer l'époque à chaque disque. Paul Sarrazin, Claude Rajon, des sons et rock classics. Arrête de fronter comme si j'avais pas l'album de l'année. Arrête de fronter sans ton carnet, je vois de l'orthographié. Super content. Je crois que c'est un des bons festivals qu'on a vécu. Et puis, c'est le fun. Les gens sont très, très sympathiques à Drummondville. Ici, c'est la poutine royale. La poutine royale, c'est le gros vendeur avec les trois sauces, le porc effiloché et également le foie gras, signé par le chef Jérôme. Donc avec un chili con carne, guacamole, crème sure, jalapeno, oignon vert, c'est méchante belle poutine. Qui détient la meilleure poutine ici au festival? Ben c'est nous parce qu'on a gagné l'année passée. Donc vous voulez conserver votre titre? C'est sûr, on est venu défendre notre titre cette année. Donc nous c'est dans le fond le Das Truck, Das Food Truck, pour le restaurant Le Gros Dur. On fait une poutine qui est la Touski qui a gagné l'année passée. On fait une gradure où est-ce qu'il y a nos quatre poutines qu'on présente ce soir, bien, pour tout le week-end. Puis on fait une poutine galvaude, une poutine au bacon. Puis la spéciale de cette année, c'est la poutine cheeseburger. Moi, je vais vous dire, là, j'ai découvert Drummondville en venant au Festival de la poutine à Drummondville. Les gens sont épicuriens. Les gens aiment essayer. C'est ce qui me fait vraiment tomber en amour avec Drummondville. C'est sûr qu'eux aussi nous ont démontré beaucoup d'amour en ayant voté pour nous l'année passée. Fait que cette année, ils nous aiment encore beaucoup. Là. Tout le monde vient nous voir et ils disent tous qu'ils viennent voter pour nous. On est vraiment super choyés. Fait que on est en amour avec Drummondville. Puis les spectacles, le line-up qu'ils ont décidé de faire cette année, c'est vraiment génial. Les groupes sont super. Fait qu'on est contents. Et vous êtes de quelle région? Nous, on est de Montréal. Okay. Donc, on va aller vous visiter aussi. Bien, viendrez, on a un restaurant sur la rue Jarret à Montréal, ça s'appelle Le Gras Dur. Merci, bye bye. Bon festival. Merci, vous aussi. Est-ce que c'est un succès, cette poutine? Oui, ça a l'air d'une grosse boîte, mais c'est excellent. Des piments forts, de la guacamole, puis un beurre à sauce piquante. Ça vaut risque et péril parce qu'on en a pogné une très, très piquante. La poutine est vraiment excellente. J'attendais impatiemment de manger une poutine au homard et je suis servie. Elle est excellente. Ah, c'est très délicieux. Je suis sûre que c'est eux trois qui vont gagner. C'est la poutine royale du chef Jérôme, oui. Vraiment. C'est très bon. Quand je vais vous dire go, vous allez virer sur le top.